Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, voilà. C'est parti pour une nouvelle matinée vide-grenier. Donc il y en a deux ce matin. Là je prépare le café pour tout à l'heure. J'ai la tête dans le cul, putain. Là il est 4h30, je vais partir. Donc 30 km ce matin. Voilà, je vais voir ce qu'on peut trouver. J'espère un peu de rétro, on verra bien. Allez. Je vous dis à toutes, je vais filmer en live ce matin. Donc, on verra bien. Allez, à toutes. Yes, rebonjour. Bon, re-salut les amis. Bonjour. Ouais, je suis un peu claqué là. Bon, c'était pas fameux ce matin. Hein. J'en ai fait 4 hein, quand même, hein, dont un payant. Finalement, j'ai bien fait de faire celui qui était payant. Parce que c'était ma meilleure trouvaille de la journée. Je suis bien content. Bon, par contre, ce qui me désespère un peu, c'est que les revendeurs, ils poussent comme des champignons. Hein. C'est catastrophique. Hein. Dans mon coin, c'est catastrophique. Hein. C'est plusieurs par vide-grenier maintenant. Hein. Avant, c'était un par vide-grenier au maximum. Maintenant, c'est deux, trois, quatre par vide-grenier. Enfin, après, c'est peut-être les salles, quoi. Je sais qu'ils aiment bien les salles. Mais vraiment là c'était catastrophique hein, je veux dire voilà quoi, je crois que c'est foutu, ça vaut même plus le coup de se lever le tôt hein, en fait hein, ils sont là voilà avec les torches et tout ça devient dur quand même hein. Mais bon, j'ai quand même trouvé deux trois trucs, des petites pièces sympas. J'ai racheté une belle petite pièce chez un revendeur qui m'a fait une petite remise. C'était un jeu que je cherchais depuis longtemps, une petite pièce PS1. Donc petite dédicace à toi, Icos. Hein. Je pense que tu vas aimer ce petit jeu là. Donc je vais le montrer maintenant, hein, parce qu'après le reste c'est dans les sacs. Donc ça c'était ma première trouvaille de la journée. Donc, déçu de ce vide-grenier quand même. Je suis arrivé à 5h45, donc 6h moins le quart. Putain, le vent qu'il faisait, il faisait un temps, mais c'était la Sibérie quoi. On se gelait. Et au final, les exposants, les particuliers, ils venaient pas. Dans la salle, c'était que des revendeurs. Donc du coup, moi, ça m'a gonflé. Puis en repartant, je suis allé voir un petit peu des brocanteurs. Hein. Eux, c'était des brocanteurs hein, qui font beaucoup de vide-grenier. Puis ils m'ont sorti une petite pile de jeux PS2. Et dedans, il y avait le petit Resident Evil Outbreak que j'avais déjà, souvenez-vous, du petit lot à Resident Evil. J'avais eu l'an dernier, sauf que celui-là, il est quand même en très bon état. Donc, je vais upgrader celui que j'ai, et puis voilà, l'autre il partira en échange. Il n'y a pas de souci. Ensuite, ma dernière trouvaille de la journée, comme ça fait première dernière. C'est la petite pièce, la belle pièce PS1 que je cherchais depuis longtemps, le Vagrant Story. Dont tout le monde parle, enfin beaucoup de gens parlent comme étant un très très bon RPG. Donc j'attends de voir. Hein. Donc il était annoncé à 30, hein, c'est à peu près son prix un petit peu plus cher que la cote actuelle. Je crois qu'il a baissé, je croyais qu'il était autour de 40 et puis ça m'a étonné de le voir à 30. Puis j'ai demandé, puis il m'a dit 25 minimum. Je me suis dit, bon, allez, à 25, c'est bon. Il n'y a pas de souci. C'est à peu près, grosso modo, la cote sur eBay actuelle. Hein. Je me suis dit, bon, 25 pour ce jeu, je pense que ça peut les valoir. Hein. Ensuite, bon, j'ai trouvé 2-3 trucs sympathiques pour la collection. Là, les petites notices, c'est un lot de câbles, de machin. Voilà, bon, je suis assez content. Ça, c'est pour la New 3DS. Pas mal, hein, franchement, la New 3DS, là, des petites notices. Si un jour je la trouve en vide-grenier hein, ou en pack. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Un petit câble Ethernet, hein, j'en avais pas. Voilà, en plus, il m'en faut un, j'en ai marre de tout le temps brancher, débrancher. Ma PS4, ma Xbox One, je branche, je redébranche, j'en ai ras le cul. Donc là, du coup, avec ça, c'est bon. Ensuite, un petit câble Nintendo, je crois que c'est pour la... Je sais pas pourquoi c'est, honnêtement. C'est la première fois que je vois ce câble. C'est peut-être pour la Wii, hein. Je sais pas. Non, je pense pas. Ça a l'air d'être un embout de portable. J'ai aucune idée, en fait, là. Là, franchement, je sèche. Hein. Je sèche. Je sais pas ce qu'il y avait. Il y a un truc, là. Je sais pas ce que c'est.
Je vais essayer d'y enlever là parce que. Ah, ça a été rafistolé. Ah oui, d'accord, ça a été rafistolé. Bon, si ça marche, hein. C'est pas grave. Et en plus, et ensuite j'ai eu un petit Kinect 360 cette fois. Parce que bah, j'en ai un Xbox One, mais je me dis bon que si jamais je trouve un jeu sympa, genre Fable. Fable, ils en ont fait un avec le Kinect. Voilà, je vais stocker ça. Et puis voilà. S'il y a un jeu sympa avec le Kinect sur 360, bah, je pourrais me le faire un jour. Voilà. Il y a ça, et puis ma belle trouvaille de la journée, je vais vous montrer ça. Alors, si je vous montre les manettes. Ah ah, qu'est-ce que c'est? C'est une Atari? C'est une Atari? Non, c'est pas une Atari. Allez, je vais vous montrer, je vous sors pas la console parce que ça va être galère. Voilà, Philips Video Pack. Donc moi, j'avais quelques jeux. Je me suis dit, oh, genre, j'aimerais bien en retrouver encore des petits jeux vidéo pack. Il n'y en a pas extrêmement. Il n'y en a pas beaucoup, mais c'est pas évident de trouver en vide grenier. Donc voilà, ils sont tous complets. Il y en a 8 en tout. Il y en avait un que j'avais déjà. Le monsieur, il voulait pas déloter. Il voulait se débarrasser, en fait, de tout le lot. Donc je vais vous dire. Ah oui, le lot de cordon, j'y ai eu pour 3€. Hein, avec le Kinect. Voilà. Donc encore un jeu vidéo pack. Tac. Hop, voilà. Ah, je vous ai même pas dit les prix. Le Resident Evil Outbreak, je l'ai eu à 1€. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah, bah, le Vagrant Story à 25, je vous l'ai dit. Donc, c'est celui-là que j'avais déjà. Voilà. Celui-là, je l'ai déjà. Ouais. Celui-là, je l'ai déjà. Ah, non. C'est celui-là. Celui-là, j'ai déjà, le 34. Il est défoncé, hein. Putain, je peux même pas récupérer la boîte. Un petit jeu de de babyfoot, c'est cool. Bon, ça va, la vidéo elle va pas être très longue. Et ça c'est quoi? Un jeu de catapulte. Oh, ça a l'air d'être assez rigolo. Voilà. Ensuite qu'est-ce qu'il y a? Bah, ça c'est le cordon pour le vidéo pack. Voilà. Donc c'est un vidéo pack Schneider. Voilà. Et le mien, c'était un vidéopack Radiola. C'est un Radiola. Jetpack, un nom comme ça. Voilà. Donc, c'est pas le même modèle, mais honnêtement, je vais pas collectionner les vidéopacks. Donc, je garde les jeux et puis la console. Bah, soit je garde la Radiola, soit je garde celle-là. Je verrai celle qui est en meilleur état. Alors, les deux, en fait, le problème, c'est que l'alimentation, en fait, il tient pas. Le ressort, il est. Bah, il est pété le ressort. Donc ce qu'il faut faire, c'est mettre un truc pour y bloquer. Voilà. Ça doit être un problème récurrent, je crois. Parce que la mienne, ça fait pareil. Hein, donc, mais c'est pas grave. Il suffit de trouver un truc pour coincer. Un coton ou un truc. Voilà. Bon ben voilà. Donc j'ai eu le lot vidéo pack. À la base, c'était annoncé à 60€. Oui, ça pique quand même. Hein. Moi, il y avait que les jeux qui m'intéressaient. Puis lui, il était assez sympa. Et lui, il voulait se débarrasser de tout. Il dit, je déménage. Bon, bah voilà. Donc, il m'a dit, voilà, prenez le tout. Dites-moi votre prix. Il me fait 40. Ah, je lui fais, bon, allez, oui, allez, je serai d'accord pour 30. Voilà. Et puis, il m'a dit, ouais, ok, d'accord. Allez, c'est parti pour 30. Donc, j'étais content. Hein, 30€, ça fait, ouais, 3€ et quelques le jeu, quoi. Puis la console gratuite. C'est à peu près, c'est pas une super affaire, c'est dans les prix, hein, c'est pas. Voilà, vidéo pack, hein, ça vaut rien du tout. Mais c'est pas grave. Moi, ça permet d'augmenter ma collection de jeux vidéo pack. Donc c'est le principal. Voilà. Je mets jamais beaucoup hein, dans les jeux de cette génération-là parce que c'est pas ce que je cherche. Vraiment, hein, moi, c'est vraiment, voilà, comme vous savez, hein, c'est Xbox 1, N64 en boîte. Et puis Mega Drive, surtout. Mega CD et 32X. D'ailleurs, je vais me lancer dans une petite collection à mon rythme de Mega CD 32X. Voilà. Donc, si jamais vous en avez en double, moi, je ferai une vidéo de toute façon de mes doubles à l'échange. Et puis après, bah, vous pouvez me contacter par message, quoi, sur YouTube. Il n'y a pas de souci. On pourra faire un petit échange. Aucun problème. Donc la semaine prochaine, il n'y en a pas. Il me semble qu'il n'y en a pas.
Non, il n'y en a pas. Dans 2 semaines, ben, on va se geler le cul. Et puis dans 3 semaines, il y en a une belle. Après, je ne sais pas si je vais y aller parce qu'il y aura tout le monde. Il y aura tous les ratisseurs. Je dis pas où, mais voilà, je sais pas. Je sais pas trop. Allez, bon bah je vous dis à la prochaine, bon week-end et à bientôt. Salut!